Les mallettes pédagogiques, les leçons de choses du musée de l'image ville d'Épinal s'adressent à toute structure souhaitant mener une activité culturelle auprès de ses usagers en autonomie et au sein de son établissement. Ces mallettes peuvent être réservées et empruntées gratuitement sur simple demande. En voici une présentée en quelques mots par le service des publics du musée de l'image. Cette mallette vous propose 7 jeux pour développer la capacité d'observation et d'analyse des tout-petits. La première activité consiste à regarder des animaux dans tous leurs détails et à retrouver leur silhouette. Une piste de création plastique vous invite ensuite à jouer avec les contours des ombres. Grâce aux multiples impressions que contiennent nos mallettes, certaines activités peuvent être réalisées en petits groupes ou individuellement avec les enfants. Dans cette pochette, par exemple, vous trouverez différents cartons colorés pour décrire ce qui vous entoure, mais aussi les images de nos collections. Cette activité permet d'étudier la variété des couleurs, mais aussi interroger leur véracité. Observer des images faites de contours et de couleurs est également l'occasion de faire des découvertes ou d'enrichir son vocabulaire. Ici, cette activité prend la forme d'un memory. Les règles collectives de ce jeu peuvent être très facilement adaptées en fonction du niveau de compréhension de votre groupe. Passons aux images d'animaux. Si la première étape consiste à retrouver l'avant et l'arrière d'un même animal et à observer ses caractéristiques, la seconde pourrait être d'inventer des animaux hybrides. Où vivront-ils? Que mangeront-ils? Tout reste à imaginer. Après l'exploration du monde du vivant, celui des objets. Dans chaque livret de cette pochette, un élément est à retrouver sur les images. Alors, où sont les chapeaux, les voitures ou les bouquets de fleurs? Changeons à présent de décor. Image après image, une phrase de description s'impose. Nous vous proposons ici d'associer différents objets à leur décor de prédilection, voire même en prolongement, d'imaginer l'histoire qui s'y déroule. En parlant d'histoire, la dernière activité de la mallette est un temps calme. Elle se consacre à la lecture et à la découverte de l'histoire du petit chaperon rouge, case après case. Ne manquez pas nos autres vidéos explicatives des mallettes pédagogiques, les leçons de choses et nos offres de visite, le tout à retrouver sur notre site internet.